Ah, stagiaire, bonne nouvelle. Alors, j'ai vu avec les gars du réseau, c'est bon, ils t'ont coupé l'accès à Facebook, Twitter et MSN. Comme Chouette. ça, tu travailles tout le temps. Tu fais quoi, David, là? Tu fais quoi? Bah, je surveille ce que tu fais un peu. Je regarde si tu vas bosser, parce que je sais que vous branlez pas grand-chose, vous les stagiaires. Ouais, enfin, là, j'ai tourné l'émission, tu sais, le Golden Chart, tout ça. Ah, ok, bah, je regarde, vas-y. Amis de la gaudriole labellisée France, Golden Shower et Golden Showeuse de tout poil, bien le bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Golden Short. Je me nomme Flaubert et je serai votre animateur vedette dans cette émission. Animateur vedette. Ah, c'est une bonne vanne, ouais. C'est une bonne vanne parce qu'en fait il est juste stagiaire, donc c'est drôle. Vous aurez reconnu le très amusant Davy Mourier. Alors, j'ai vu que t'avais fait des guillemets comme ça, donc tu te fous pas de ma gueule. L'ironie, je la comprends, ok? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu le Golden Short de la semaine dernière et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire? De la merde! De la grosse merde! Une émission de merde! Une bouse! Et moi, je dépasse les 1m60. Quoi? Pardon, ah, pardon. Non, mais je non, voulais. Non, mais pas voulais... barre-toi! Barre-toi! Non, mais je voulais pas dire ça. Je... Puis c'est mon bureau, hein, je veux dire. C'est ton bureau, ok, c'est ton bureau, mais tu te casses de ton bureau, tu te barres. Mais je vais l'enregistrer où, moi, le Golden Short? Tu l'enregistres dans ton cul, tu l'enregistres dans ta mère, tu l'enregistres où tu veux, le Golden Short, barre-toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le Facebook de l'émission, et merci bien. Parmi elles, c'est celle de Jules, qui a retenu mon attention. Ah, Jules, merveilleux prénom, qui n'est pas sans nous rappeler Jules César, Jules Verne, Jules... Les magasins de vêtements, tout ça, tout ça. Jules donc nous demande pourquoi Davy est-il aussi petit? Il n'y a pas de question stupide. Vanessa, t'as 2 minutes, je peux te parler, j'ai un problème. Si c'est à cause de ton herpès à les oreilles, il n'y a pas de souci, personne va te juger. Vraiment, c'est... Non, rien à voir. Non, en fait, c'est Jules, un fan du Golden Show, il a demandé sur le Facebook de l'émission pourquoi Davy était aussi petit. T'as qu'à demander à Davy. Ouais, non, mais le souci, c'est que Davy est en colère contre moi. Donc, je me suis dit, bah, j'allais plutôt te poser la question à toi. Comme ça, Jules allait avoir sa réponse. C'était par un après-midi brûlant de l'été 1987. Davy, Poulpe et moi jouons dans le jardin, le grand jardin des parents de Davy. Et Gros Léo a entendu des cris. Gros Léo, c'était un ami qu'on appelait Gros Léo parce que il était gros et il s'appelait Léo. Léo a dit Il y a des cris dans la maison! Il y a des cris dans la maison. Davy a tendu l'oreille et a entendu ses parents crier. Il a couru vers la maison, il criait. Il pleurait. Alors moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, je connaissais pas Davy. Et donc en fait, ça sert à rien de me faire chier avec tes questions. Donc casse-toi. Et il a ouvert la porte d'entrée. Après, il a ouvert la porte de la chambre de ses parents. Ils étaient tous les deux nus, avec de la soupe liémique poireau sur le corps de Bardou. Elle m'a dégoûté. Alors je me suis juré de jamais manger de soupe, quitte à jamais avoir de croissance. Mais dès que je sens l'odeur de la soupe, je revois mon père utiliser la soupe liémique pour la mettre dans... Merveilleux Davy Mourier. Eh bien voilà Jules, j'espère que ça répond à ta question. Alors si vous aussi, vous avez des questions à poser concernant le Golden Show, eh bien rendez-vous sur le Facebook de l'émission et nous ferons un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également laisser vos dédicaces, mais attention, je n'accepte que les dédicaces avec un mot imposé et cette semaine c'est le mot poireau. Laissez vos dédicaces, nous vous attendons et à la semaine prochaine pour un prochain Golden Short. Allez. You! I want a ticket to the gay bar! I'm making the nuclear war! To the Montélimar!